Je vois également que tu as des activités, même l'été, en musique avec les jeunes. Parle-nous de ça. Surtout à la fin du mois d'août, juste avant de reprendre la session normale. Et remettre dedans. Oui, c'est ça. Je fais toujours un petit camp musical d'une semaine, un camp de jour. Okay. Cette année, j'avais l'intention de faire un camp musical plus prolongé sur plusieurs semaines, afin d'offrir des petits concerts ici et là durant l'été. Ça va avoir lieu ici dans la région, oui. Donc à Belœil. Oui. On va faire inviter le public à suivre tout ça dans les journaux. Et sur ton magnifique site web, www.lespetitsarchets.ca ou .com. Alors, justement, sur le site, on retrouve des informations sur les professeurs, sur les activités. Ça décrit un petit peu aussi la méthode d'enseignement. Puis ici, on a également une magnifique brochure que tu nous as apportée, Les Petits Archets. Alors, vous allez voir, c'est tout aussi coloré sur le site. Et puis, on y retrouve, entre autres, justement, des photos des jeunes, des programmes, des activités. En plus des cours, tu offres des concerts. Et des ateliers aussi. Un atelier de solfège dicté, un autre atelier sur l'entretien de l'instrument. Et éventuellement, on va offrir aussi un atelier de lutherie, parce que ça a été très demandé. Est-ce que c'est ouvert à la population? À toute la population. OK, c'est simplement de suivre les communiqués. Ils peuvent s'inscrire juste pour un atelier. OK. Et aussi juste pour l'orchestre. S'ils désirent faire de l'orchestre, puis suivre des cours d'instruments, de violon, de violoncelle, ailleurs, ils peuvent faire partie des orchestres. OK, puis je sais que tu as également de belles idées pour justement pouvoir rendre ça encore plus accessible. Les projets pour l'Académie, c'est d'avoir des dons, des bourses, des commandites, afin que l'Académie achète les instruments, afin de les offrir à prix moindre à des enfants qui ont plus ou moins les moyens de se payer l'instrument. Il y a combien d'élèves? Il y a 150 élèves. Wow, OK, c'est beaucoup de jeunes. Oui, ça a doublé depuis l'année dernière. Ah, bravo. Oui. Puis à ce moment-là, quand tu fais les concerts d'orchestre, est-ce qu'on les retrouve tous sur la scène? On essaie de regrouper même ceux d'éveil avec l'orchestre. Ah, oui. À ton concert de fin d'année l'an dernier, je crois que vous avez fait une grande finale très spectaculaire. Oui. On avait interprété une pièce avec tous les jeunes et même des anciens élèves. On a la chance d'avoir un DVD. Oui. Ça va être un extrait de Carmina Burana au Fortuna de Karl Orff.